Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Voilà 20 ans, Pascal a réalisé son rêve, aménager une terrasse au dernier étage d'un immeuble en banlieue parisienne. Exposé est-ouest, son morceau de nature de 100 mètres carrés environ préserve l'intimité de la famille tout en offrant un panorama spectaculaire sur la ville. Dès le début, Pascal a fait installer des arbres qui la transportent ailleurs. Pins parasols, oliviers, palmiers de Chine, arbousiers sont mélangés à des arbustes d'ornement. Ils coupent le vent, protègent des regards du voisinage, mais préservent des vues et des perspectives. Cette terrasse a été créée pour avoir une végétation qui me manque beaucoup à Paris. Et donc j'étais très, très touchée le fait d'avoir des pins parasols qui représentent bien le midi de la France et qu'on arrive à faire pousser ici avec beaucoup d'agrément. Ces plantations ont été faites par un paysagiste au tout début, puis après ça a été un peu modifié au niveau des bacs et au fur et à mesure ça s'est transformé un petit peu. On a fait pousser aussi dernièrement de la menthe, du thym et des herbes aromatiques pour l'agrément de ces plantations. Peu de choses ont changé en 20 ans. Les espèces plantées ont bien tenu, enfin presque toutes. La vigne a tiré sa révérence assez rapidement. Pour l'entretien, Pascal se fait aider une fois par mois par un jardinier qui surveille l'état de santé des végétaux, taille et évacue les déchets verts. L'arrosage, lui, est automatique. Je ne me vois pas du tout arroser tous les matins. Donc c'est un arrosage qui se fait et que l'on supprime l'hiver puisqu'il n'y a pas besoin d'arrosage l'hiver. Donc on remet au printemps, été et automne. Cette terrasse, Pascal confie en profiter pleinement à longueur d'année. C'est un lieu qui lui permet de se ressourcer, d'oublier la ville. Et le plaisir, c'est surtout de pouvoir dîner dehors le soir et déjeuner dans la journée. Donc, puis en plus d'être au milieu de la verdure dans cette ville parisienne qui est parfois un petit peu polluée. L'intérêt de cette terrasse-là, c'est qu'on a une vision quand même globale, en l'occurrence de Paris, et une vision lointaine, et ça, c'est un agrément important. Sur cette terrasse, on a l'impression d'être un peu au-dessus de toute cette pollution parisienne qui fait qu'on a une petite bouffée d'oxygène.